Les deux syndicats refusent de négocier depuis plusieurs jours, durant le préavis de grève et même pendant la grève. Donc nous demandons à ce que cela cesse, parce qu'ils prennent en otage toutes les institutions du pays, y compris les particuliers, qui ne sont plus livrés en gaz depuis une semaine maintenant. Et ce soir, il y aura une rupture de gaz dans tout le pays. Dès l'affaire est mise en délibéré, hein, il y aura une réponse la semaine prochaine pour vérifier si effectivement la société était fondée à solliciter l'interruption de la grève.